Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung. Vous avez toujours rêvé de réaliser de délicieux cupcakes au chocolat. Super, Pascal est là pour vous expliquer la recette. Alors Pascal, voilà, on commence par quoi ? On commence par le topping. D'accord. Alors c'est pas une crème au beurre comme souvent on a sur les cupcakes. C'est une crème à base de mascarpone. Ça va être plus léger. D'accord ? Alors on commence par. Alors on commence par mélanger le beurre. Alors le beurre il est pommade. Exact. C'est-à-dire qu'on l'a sorti du réfrigérateur, c'est ça ? Voilà, quelques heures avant. Voilà, regardez. Bien pommade. Ou alors vous le passez quelques secondes au micro, non, mais léger, léger, pas, d'accord ? Surtout pas qu'il soit fondu. Une belle pommade. Là tu rajoutes. Le sucre glace. Regardez, sucre glace, et là on va mélanger. Alors pendant que tu mélanges ça avec amour, je fais fondre le chocolat. Alors le chocolat est fondu, on l'a un peu lissé à la cuillère. Ouais. On le rajoute au beurre et sucre glace. Allez. Alors, donc on le rajoute, je te laisse mélanger. Je vais ajouter un peu de miel. Ça c'est pour la gourmandise. Oui, et puis ça amène un peu d'onctuosité aussi. D'accord. Alors, ça fait un très joli mélange. Bien lisse. Classique. Ok. Là, on rajoute un peu de mascarpone. Ok. Mais on mélange comme ça ? Voilà, tout simplement. Ah, ça fait un mélange vraiment bien crémeux et à la fois qui se tient bien. Exactement. D'accord. Bon, on met ça dans la poche. Allez, hop. Voilà. À deux, c'est plus facile. Et après, réfrigérateur. Voilà, une heure. Le temps de faire nos cupcakes chocolat et qu'ils refroidissent. Ok ? À tout de suite. Ok, donc là, notre topping est en train de raffermir au frais. On va faire la base. D'accord. Alors, je vais commencer. Donc, toujours le beurre pommade, comme tu dis. Ok. Moi, je dis beurre mou. Ouais, beurre mou ou beurre pommade. En fait, on l'a laissé à l'extérieur afin qu'il ait cette consistance pommade. Voilà, tu ramollis bien ton beurre. Là, on ramollit bien le beurre. Alors, on peut faire ça au batteur électrique. Hein. À la feuille, ça marche très bien. Oui. Ok. Donc, on rajoute le sucre. Ouais, ok. C'est un peu le même départ que la crème d'amande, ça. Ouais. Et là, on travaille pour incorporer le sucre. Voilà, donc là, on a mélangé le beurre et le sucre. Et là, changement d'outil, c'est ça ? Voilà, on va finir. On va rajouter les œufs un par un. Oui, allez, hop. Un par un. Ouais. Parce qu'il faut vraiment que l'œuf qui contient de l'eau, en fait, s'amalgame bien, bien, bien avec le beurre. Ok, donc là, le mélange est homogène. On va pouvoir rajouter la farine. Et du coup, si tu pouvais me tamiser le cacao. Tu préfères le tamiser, toi ? Oui, je trouve qu'il se mélange mieux. Mais enfin, bon. On tamise le cacao pour pas avoir de grumeaux. Puis on va ajouter un petit peu de lait aussi. Pour aider pour avoir un appareil bien moelleux. Et voilà, là on a pratiquement fini. Donc là notre base est prête. Vous avez vu le mélange ? Faut pas trop mélanger quand on rajoute la crème pâtissière. Et là tu as un petit secret toi ? Non, j'utilise juste ma cuillère à glace. Célèbre, la célèbre cuillère à glace. Regardez, c'est... Pourquoi tu fais ça ? Parce que je trouve que c'est plus précis. Bah, parce qu'en fait, comment tu fais si t'as pas... Tu veux prendre une cuillère à soupe, hein ? D'accord. Mais c'est juste que la cuillère à soupe, ça va être plus long. Si vous êtes un tout petit peu snob, une belle cuillère à glace, ça marche. Regardez, c'est Pascal. Non, mais ça évite de... C'est très propre. Ça évite... Bah, sinon, tu prends une poche à douille. Hein. Voilà, aux trois quarts. Voilà, aux trois quarts. Maintenant, cuisson ? Oui, alors 180 degrés, 18 minutes. Attention, c'est précis. Tout de suite. Voilà. Alors. Les cupcakes sont super bien refroidis. L'appareil, il faut vraiment qu'il soit à température ambiante, hein, d'accord ? Alors, regardez bien, parce que Damien est en train de faire ça, vous ne verrez pas ça tous les jours. Ah non, je vous rassure, c'est pas mon truc, hein, d'accord ? Alors, non, tu vas voir, c'est super bon. Le plus classique, c'est ça, hein ? Oui. Puis il n'en faut pas trop, quand même. Hein. Non, bah non, c'est... Bon, là, la crème, elle est pas trop riche. Il faut maintenant les décorer, vous savez, il faut rajouter les petites sucreries dessus, c'est ça ? Voilà. Alors là, j'abandonne ma place. Alors là, on a deux solutions. Soit on fait dans la sobriété, donc là c'est par mal. Exemple, avec des petites pétales de rose, on va faire celui-là. Très mignon. Assez classique. Ouais. Pas trop. Et pour les filles, t'as pas quelque chose pour les filles ? Alors, si, bah, on va mettre ça. Voilà. On va prendre. Tiens, celui-là, il me plaît bien. Très girly. Voilà. Vous avez compris, c'est quand même assez festif, le petit côté déco. Puis ça reste quand même une très très bonne pâtisserie. C'est pas mignon ça ? Donc le cupcake tout chocolat que Damien va goûter parce que Damien adore les cupcakes. Il m'en faut trois minimum. Hein. En tout cas,
c'est vraiment très très agréable à faire. Puis en tout cas, on a beaucoup rigolé. Oui, exactement. C'est quand même sympa. Donc maintenant, c'est à vous de la faire. Tiens, Damien.